Oh, au secours! Formidable, formidable. Alors, Sanka. Ouais, mamie Lila. Solo, le mec qui bille. Arène à Grand Paris. Le loi de Jen. En tout cas, Naeb Sibino, ouais, Rassol, roi de la forêt, les retours du roi. Ok. Donc, bonne année, Nengezabo, et Batouba, ce qui est bisso, Batouba, au fait, tango, sous la décembre, et Batouba, reportant, comme il a février. Dans le 15 février, fête à Saint-Valentin, oui, Rassol, roi de la forêt, Azo Bouk à Paris. Il y a un bon moni, na minito, yo, tout ça, là, invité, na bisso, des choses, mon Bill Quinton, na yaki. Et puis, bon, on est sur Adjan et Outigoya. Et puis, on a représenté Bissot, bien donné à Mouba. Très bien. T'as là le niveau, ma caméra, comique, arène à Grand Paris. Donc, oui, la seule voie de la forêt, préparation, ça m'a cassé. Mais, tu as écouté, tu as déjà que dimanche prochain. Oui, la seule monite, tu as la physique, tu as la musicienne, tu as le stade de Marty. Tu as la télé, tu as la forme habitée, tu as testé Bango. Dimanche prochain, tu as tous les missions, tu as un vélo. Donc, tu retombes là maintenant, marche pendant un vélo. Ah, donc, okay. Vélo pendant une course. Course pendant, à vélo. Course à vélo. Il y a maison mère. Il y a maison mère. Bah, pour conseil, ou tu sais pas, il y a cardiologue, il y a États-Unis, mais c'est Tichouel. Et si vous avez dit, mais quand même, on a un vélo. Donc, tu retombes à Banda, Bandal, la toison d'or. La toison d'or, tu l'as pas, il y a un mandat, Kawana, la Banda, ti aéroport. Donc, ils ont dit, il y a des danseuses, il y a des musiciens. En tout cas, na vélo. Là, où est-ce que la vélo? Même dès le Mouma, il présentateur, il y a un vélo, il y a un vélo. Et puis, la minute, il y a un fanatique, il y a sa maison mère. Ok. Oh, il y a un vélo. Ah. En tout cas, il y a un déjà, parce que la minute, déjà, même Coco Mouya. Il y a pas le bien royal à vélo, Francisca Di Maroya à vélo, il y a maman Sandra Bissanga, même Jared, Pans Honorable Hazard, tu as dit ça la 69 à Banda, il n'y a pas rien à vélo, mais ça y est, je n'ai pas rien à vélo. Donc, à ça, nous tous les lots, il faut pas comprendre que hiver est allé, mais nous avons 4 à hiver, non. Bah, tu parles à toi, tu vas sentir qu'est-ce que la musique. Musique, il te value, bolala, là, il est mis. Non. Oui, il y a un showman, il y a poto, il y a un zalane, il y a un sengi. Oui, mais il y a un poto, mais ici, il y a la colouse. La colouse, il y a un décobé, la colouse, il y a un coupé, il y a un abeta, comme un auto Silva, Costa Itangu, Colonel Franck Ilanga, il y a un autre, il y a un peu. Aïe, la colouse, qu'est-ce qu'il faut pour que la colouse puisse se produire? Bon, où est la sonne, Aza Missa Mounene, né de l'Obarge, où est la sonne, Aza Gaga Missete, oh, y a Chaboala, y a Bandundu, y a Bampangite, où est la sonne, Aza Missia y a Afrique. Donc, le la minute, ma fanatique est belle à colouse, bazo dérangé, biso, n'a mon téléphone et l'embi, n'a bureau, bah, c'est n'a mais pourquoi, où est la sonne, Banda époque. Il y a papa Richard Mouyesh, okay. Bêta. Si le lola to bêta le souste. Babi, mais les amini. Nabi, bon, ouais, la son, le moni, le lola producteur, belle baouta colose, mon abaye. Ouais, la telle mazamouné, le mon arabe, et bou, baso, qu'on a pas caché. Télé, tabas, sangi, sambon, moto, comprenez, le tobi, mais minere, bunguveni. Donc, baso, qu'on a pena, qu'on a go, mais ma ouais, la son, la colosité, mais en tout cas, bana colosi, boébiga, soit qui vraiment, le gouverneur de la ville, Mama Fifi Masuka, Saïni, Alobi, et non, ouais, la son, aya, toya, ou bêta. Bon, ça, la mine, vraiment calme. En tout cas, quant à moi, dans le baraka, vraiment, merci, na son excellence Élysée. Beaucoup moins, na ma poste. Balobi, tu peux si vraiment, moi, tu es vice-ministre, na bisou Abidjan. Et puis, tu peux saliter, Yabola Kachantan, les DGM qui toquent. Et puis, Amadou Djabi, Oyo, deux fois, tu es vite à qui toquent, Lélo, tu peux s'en chance. Et puis, son excellence David Mangaya, PR, Yafani Tshisekedi du Mangaya. Yato, Zambota, Moutalia, Dolar, Lalate. Binonio Sobozala et puis DG Serge Ntikoum, Toninka Kouchikou, alors bien vous allez dans le concert et puis Tijo Tchamala, sans oublier Maître Igue Pouloussi et puis Simon Kamba Petit Béton et puis Jeff Bokungulu et Nok Machozi, Naya Papi Machozi, Bamounio Sobalobi Barozala. En tout cas, merci. Maoué Rassol, Grand la Forêt, Poto de Zomba Suelengi, Babie Sili à Mamile. Déjà Babie de Jessili, et tu as 5 billets. C'est le billet, on a eu la cachante, on a eu la mode déjà. Ah oui, déjà. C'est un coup où il y a pas eu la mode. 5 ouais. 5 à pas de Tigali. Donc, sold out. Et puis, arène à Grand Paris comme Mouké. Donc, on a eu la mode, ça t'a d'abête à moi 3 fois. Pardon, Yawera. S'il te plaît, on a eu la mode. Merci. Colien est comme équilibré. Merci beaucoup, Sankara. Écoute, bien, les niveaux de Yawera là, c'est complet, c'est totalement complet. Donc, tout est fait prêt. Yawera va se produire à Paris. Le 15 février, bien, Roland Cachantale soutient cet événement. C'est également le cas de Maître Hugues Pouloussi,
Africa, sans oublier Coco Mouya, bien sûr, mais aussi professeur Henri Kalama Akoulez et le petit béton. Simone Kamba, il est par contre ma seule le 15 février, à niveau et à Paris. Le même 15 février, mesdames et messieurs, il y a un autre artiste, c'est Luciana de Mingongo qui fait ce produit. Lui, ce sera à la salle de congrès de Nanterre, une production de Joël Inanga qui a été immortalisé il n'y a pas très longtemps dans un titre Pongi et à canapé de Julio Mdjaou qui a connu la participation de Luciana de Mingongo. Nous restons. Merci beaucoup. Oh, impressionnez-moi, c'est pour la première fois dans le Arcosim Cravas. Vous venez en nombre, donc je l'ai tenu à vous qualifier. Est-ce que vous assure vous avez un conseil des arts? Vous avez bien envoyé à ce studio. Est-ce qu'il y a un conseil des arts? Bon, c'est solutionné. Comme on a eu par la région à ce studio. Bon, avant c'est le robot. Ouais. On va l'ouvrir la costume. Dans l'émission, vous pouvez attendre 2 minutes. Là, ça dit que vous n'avez pas eu de temps pour défendre le jour. Là, vous allez avoir un peu de temps pour défendre le jour. Là, c'est pour ce que vous avez, s'il vous plaît. Côté mascotte, vous avez ah, puis c'est moi. Au moment où vous avez présenté une société de Néambouba. C'est lui. Et Gabriel, c'est bien, c'est pas là. Lui, je sais même pas, il peut acheter même
tous les billets, donc c'est compliqué avec Chitembe. Donc tout le résident de la France et pays environnants, donc c'est confirmé, mais le plus de vie. Papa Chéri sera bel et bien le 31 décembre en France. Donc papi nous l'a amené à Kokomboui. Donc sous pression, bien sûr, sous pression de ses fans. Et par rapport à l'organisateur qui est là de Dieu en premier, il s'est dit, papa Chéri, viens, c'est une prise de contact avec ton public de longue date et puis on verra dans la langue cordon. Voilà quoi. Et du coup, aujourd'hui c'est le plus grand rendez-vous de l'UNICAL comme d'habitude, donc chaque dimanche, papa Chéri Christ à l'atmosphère du Pouleman de Kinshasa à partir de 19h et Bill Adam Motopamba et Victor Dédoné Ngoyi et puis Mogisho, idéal de Bukavu. Quant à moi, je salue l'As de Lumière, Gabriel Chitembe, le président du club national du sous-traitant. Donc lui, il n'a pas le problème que nous avons. Ah. Et le problème que nous avons, lui, il résout ça. Donc, son activité financière. Tu t'es de Gabriel, tu n'es pas un être humain. Mm. Tu es un extraterrestre financier. Tu es généreux. C'est-à-dire que tu respectes la loi de l'attraction de la richesse. En partageant, même Dieu, tu es au courant et partage ta main. Pardonne tes péchés étant tel être humain. Chitembe de Gabriel, son conquérant, plus de 2 ans à l'Ittara numéro 1 de la vérité. Il faut le faire. Voilà pourquoi papa, c'est un multimillionnaire qu'il est. Du Gabriel, Chitembe de Gabriel, un silence, parce que c'est un silence qui a le mot. Bon dimanche à Emeteza, Chimini, Chimini, à Eden pour MNCFU. Bon dimanche au full boss de l'espace Tristan Vie, le boss Kamba, échangeur limité. Et puis pour finir, je salue l'avocat de Maître Gims, J.R. Émile Banza. Merci. Et Albert Mabella de Merci. Rendez-vous tout à l'heure avec Julien Piana, l'événement est confirmé. Et le 31 décembre à Paris, au théâtre de Julien Sbel, c'est confirmé. La Maître Gims sera de la partie. Et puis il y a ce grand événement qui s'annonce, c'est Mirasson. Le retour de Mirasson sur la scène musicale au niveau de Schengen, à Arena Grand Paris, c'est pour le 15 février 2025. Et ici à Kinshasa, Mirasson, vous le savez, est en train de se préparer comme il se doit. Il a du reste le soutien de tous les artistes et musiciens qui sont passés dans Mondo Musica Maison Mère. Le dimanche passé, nous avons proposé les images avec Dédoné Angumba de ces répétitions où il y a eu la surprise de recevoir Bill Clinton, Macintosh, Timothy Dibende qui confirme sa présence à cette production de Mirasson le 15 février qui le soutient également. Et bien pour cette fois-ci, c'est AJJ. AJJ, Adjani Sesele, qui est également arrivé lors de cette répétition de Mirasson qui se prépare le 15 février. Adjani Sesele, on le retrouve tout de suite. Bien sûr, cette production de Mirasson à Paris le 15 février a le soutien très soutenu par un homme généreux. Et tout se passera par voie de presse, bien sûr. Et puis toujours dans ce registre, il y a le phénomène Essobé, président du groupe Lisboa Fondation, bien il a le regret d'annoncer à son public la mort de son chef de groupe, M. Picot, de son vrai nom Douéné Kama Papi, décédé à Kinshasa le mercredi 27 novembre dernier, de suite d'une courte maladie. C'est le chef de groupe qui évolue aux côtés des sommets depuis pratiquement la création de ce groupe, ça fait plus de 20 ans. Il est décédé le mercredi dernier. Nous présentons déjà nos condoléances au président Essobé et le groupe de Fondation, mais il y a aussi ce message que lui-même Essobé a adressé à son public, à ses nombreux mélomanes, par rapport à la disparition de Picot. Regarde. Je suis en train de vous parler dans la vidéo. Isangai l'a dit, Essobé, artiste et comédien, président fondateur du groupe Lisboa Fondation. Voilà, bande de cons, comme on a dit dans la vidéo, quand ça, les abonnés à Sango Oyo, choqué, ils sont surtout, bah, congolais, ils sont. Koyuka Sango a passé, aux yeux du saut. Je suis un artiste qui a été un papi 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 qui a été un papi
Asimanga sangwa mawa likui pamba temoni liwa ezanzela bisunso ou tout va passer. La liquide la vidéo oyo d'abord pour nous présenter ma condoléance ngai à famille de logique. Il y a les connaissances au pic au maïndom de la tique bisou et ainsi que maman, la tique bana, tout ça. Parce que voilà, surtout famille biologique, elle a plus choqué comme ça. De quoi, comme mon bal, mon nom, mon nom, et puis, il y a bande de à l'Isboy Fondation. Depuis 2003, la présidence à l'Isboy Fondation, qui est le tout comme en 2024, l'autre en 2025. Donc, l'existence à l'Isboy Fondation, qui est déjà en 21 ans, l'autre en 22 ans. Donc, c'est-à-dire de passer vie à l'Isboy. Donc, les jeunesse à l'Isboy, tout ensemble. Les bonnes de quoi, Tiki Bissot. En tout cas, nous allons présenter ma condoléance dans la Coupe de l'Isboy Fondation, dans ma terre, surtout. Et puis, na artiste Nyon, surtout, Yamboka. Et puis, na ba fanatique, na biso Obalimaka, biso Nzela Masani, tout ça, là-bas. Vraiment, il y a un peu de Kouba. Au Tobungi, si, de Koupi, comme un Ndombe, Aza, Moko, Yaba, Généraux. Donc, Aza, vraiment, général, Nene, au biso Tobungi, si, à Salimisa, Malam Mingi, la Katia, contre la biso l'Isboy Fondation. Au pays de la radio, la chaîne Abso Antenne 1. Donc, il y a Azala qui est chef du groupe. Donc, ça dit que nous avons pris. Donc, voilà. Mais ça, la mingi, il y a Bandai Colombie de la Yango. Là, voilà, j'ai attendu mon groupe petit par la Mabou Kouraï. J'ai dirigé Baninga à Sali Penda Mingi. Le long en voyage parce que nous sommes allés bien à Yanga Koto, le long à Sima, avec qui. C'est en séjour à l'étranger que SOB a appris la disparition de son chef de groupe, mais aussi plusieurs autres personnes qui apprécient ce groupe également, notamment sur le cas de Boss Ibra, qui a appris la nouvelle du décès de Pico Maïndombe. Monsieur Gougaï présente ses condoléances au groupe Isboy Fondation de leader SOB pour la mort de son chef de groupe. Message et condoléances qui nous vient également des Coco Mouya, qui a appris également le décès de cet artiste qui évolue au sein de ce groupe. Il présente ses condoléances à tous les artistes de ce groupe. Et bien sûr, comme on vient de le suivre par la voix de son leader SOB qui est en déplacement, le programme et entre obsèques, le chef des groupes, du groupe Isboy Fondation sera connu bien sûr par voie de presse. Et puis, Caribou va être présent ses condoléances à Virginie Ofembe. Notre consoeur Virginie Ofembe est en deuil. Elle vient de perdre sa mère, maman Mété, que tout le monde appelle affectueusement, qui nous a quittés. Et bien sûr, les deux alliés à la résidence familiale, Avenue Boukassam Norouit, nous sommes dans la commune délimitée. Le programme et entrée aux obsèques de Mamété sera bien sûr communiqué par voie de presse. Encore une fois, nos sincères condoléances à Virginie Lofembe qui vient de perdre sa mère ici à Kinshasa, toutes nos condoléances. Les premiers invités à qui j'ai dit bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans le Bosso, Bauti Mongala. Après ça, Mongala. Comment on a dit solo na beta guitare. Ah, il beta guitare solo. Na coupe ya biso bangombe. Oui. Ah, ils sont ngombe. Chiko yo na kisasa chiko yo. Boye musala, boye libota. Ndo boye kokuta na bangombe nyoso bazomi ya. Boye penza ni. Bon, na bisha sa tuye, normalement to beta musique. Et puis tout produit la type pour nous sur bima tout ça non.
parce que tu es équipe mobile de Zali. Oui, mobile Mapinga. Alors, si soigne. Si soigne. Réveillez-vous. Oui, Mobimba. Oui, beaucoup de studio. Vous avez un peu de Tarakuna. Nalisala. 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 De l'autre, on a pas Bodina, kinani adae, mototo nga bikole, mototo nga mapitalu, yoko kope kibo mengo. Kinani adae, moto bonge daso ndea, moto bonge daso baba, moto konga kososu, kinani adae. Merci. Au camp David, il y a eu un petit plan très clair qui a fait que ces deux concerts ont été reportés pour les dates du 16 et le 7 novembre. Le samedi 7 novembre, c'est pour Langalanga, ce sera en Mouvilla et le 8 décembre. Au camp David, c'est Martin Lepoussard qui s'est confirmé. Et le Sarno Kalongo, cet homme bienveillant et qui présente des excuses à tous ces nombreux fanatiques pour ce léger contre-temps qui fait qu'ils ne pourront pas se retrouver aujourd'hui. Mais ce sera pour le dimanche prochain à Camp David et le samedi 7 à Mouvilla. Vous le savez, le dimanche passé, on a reçu ce plateau Marai Marai qui a décidé de reprendre la reine du groupe Vive à la Musica, une nouvelle qui a fait du boom, qui a fait plaisir à tous les anciens de Vive à la Musica parce qu'ils sont d'office invités à faire partie de ce groupe. C'est le cas de Christian Lema. Christian Lema, ancien de Vive à la Musica, qui a commencé dans Nouvelle Écriture, converti dans Nouvelle Écrita. Depuis très longtemps, il vit en Europe. Là, aujourd'hui, il annonce qu'il sera présent dans ce groupe Vive à la Musica, pris en main par Marai Marai. Et nous allons revenir sur l'une des chansons que Christian Lema a composée il n'y a pas très longtemps. C'est Saint Angelo,
il a dédié à Jimmy Bofossa Santangelo, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Et bien sûr, l'ambiance Port de Paris souhaite un heureux anniversaire à Jimmy Bofossa. C'est dans le cas de Guy Foulard, qui souhaite un heureux anniversaire à Jimmy Bofossa Santangelo, qu'on retrouve avec Christian Léman, qui l'a célébré, qui l'a immortalisé dans ce titre, Santangelo Ruba. Paris, pour vous dire qu'il y a un autre artiste que nous allons découvrir ensemble, on en a parlé le dimanche passé, c'est Baal. Baal Mbongolu, c'est un artiste rappeur. Il vient de sortir un titre Bad by Lover qui a déjà des millions de vues sur les réseaux sociaux depuis sa sortie. Aujourd'hui, nous revenons sur ce titre que nous aurions dû présenter dimanche passé, qu'à ça nous tienne. Baal Mbongolu, on vous le propose dans ce titre Bad by Lover. Bien, pour souhaiter un bon dimanche à Serge Nkéry, qui est le jet Snell ici de la promise de Vandal, mais aussi à Maître Gunther qui nous suit depuis les. On retrouve donc Baal Mbongolu dans ce titre, Bad by Lover. Regardez, 21 décembre, un événement, un état rappé. Déjà, le public se prépare déjà pour revivre à nouveau, pas serré, au niveau de Paris. Et un événement qui a été beaucoup apprécié et félicité par Gabriel Chitende, qui annonce sa présence à cette production de Papa Chéri le 31 décembre au théâtre des gymnases Marie-Belle à Paris. Ce sera le 31 décembre, un événement animé par Adé. Par contre, pour ce dimanche, eh bien, se confirmer, Papa Chéri ne fait pas bas, sera au rendez-vous tout à l'heure, comme c'est le cas chaque dimanche, au club concert de Pullman Hotel. Encore une fois, Gabriel Chitende annonce sa présence pour la production de ce dimanche. Mais le 31 décembre à Paris, il sera également là pour soutenir Moto Pamba. Je dis bonjour à les invités qui sont sur ce plateau. Et bonjour. Bonjour. Bonjour également à Jimmy Lito de la Corte. Bonjour, Serta et Serta. Et Serta. Ça va très bien, merci. Lolo Moutima, le cœur, ça va très bien. Vous allez bien. Toujours bien. Très bien. Merci. Alors, Edo, je te reçois d'abord rapidement, pas rapidement. Vous voyez, parce que ça m'a une maison de production au Bien Botami, c'est ça? D'abord, bon, merci, Mme Michel, ça fait une colère de l'eau. En tout cas, on a fait pour attendre, d'être bon, on a su sur le temps de tsunami. Okay. En tout cas, on a eu pour annoncer fort, il y a un grand médecin, Azam à Ouganda, il s'appelle Francis Colombo, à Dalgen. À Talaïke, Mambo Cannabis, il fallait quand même que soutenir Baptiste. Et lui qui est tout au Landa, lobby Mokonzambo, à l'Obaki, lobby en direct à Isiro, tout l'Andaki, avec les bisonnés, tout le Mamboko. Les gens qui sont au Mamboko, le quoi il fait des salles, nous sommes dans le domaine, il faut apporter pierre. Il y a un moment où Francis Colombo, Azam, médecin, nous n'en avons non, il faut soutenir les jeunes. Sauf que tu as cité, les jeunes sont belles, ils ont ta musique bien, mais ils ont un bon, mais ils ont un studio. Et lui, il va les soutenir. Oui, c'est pour ça que. Francis Colombo, à se prétendre, a dit non, il faut soutenir la chaîne. À Salim Maison, FK Production. Francis Colombo. Francis Colombo. Très bien. Voilà, c'est une chaîne. En tout cas, ça m'a tendu sa malade. FK Production, tu vas faire quoi pour donc, tout ça, on a pour soutenir la chaîne. Mais moi, la chaîne est belle, je bien. Mais Azan a beaucoup de studio. Mais tant que vous avez un abisso, on a FK Production, a signé un contrat. Vous avez un siège, là, qui s'appelle. Là, siège d'abisso. C'est où? C'est à Massina Petro-Congo. Tout ça, on a donc tout signé un contrat, tout cossé au studio, tout clipé, tout maillot, et tout ça, on a dans toute plateforme de téléchargement. Dès tout ça, là, c'est un jeune artiste, moi, comme les Chinois, moi, c'est un calé d'un émission, un PNC, tout cossé au studio, tout ça, les clips, les sorties officielles, les 12. Décembre, ou à 12h, il y a Chinois noir. Donc, tout le monde, si Baptiste est bien là, vous allez faire une même. Pour nous, vous allez m'aller à mon démarrage à la maison avec FK Production, dans tout le monde, mon roi Francis Colombo. Donc, le 12 à 12h, tout le monde a bien envoyé à Ebélé. Donc, mes faits, piste dans la règle, il y a un roi qui a besoin de la maison. Piste 43 89 37 48 153. La Pessimbo est dans Junior Boloukan de Grand Monde, PPD, Concité International, et puis Fille Moko Roi, Francis Colombo, puis Maître Koko Gamé, là, ce n'est pas ça qui connaît. FK Production, une nouvelle maison qui est là pour la promotion de l'artiste. C'est la bandine en chinois noir. Alors on va vous demander de suivre le travail déjà réalisé par une maison de production nouvellement créée des Français. Bien, tout ça bien important. Nous avons dit que l'heure a sonné, alors il y a rentré par maman, mamie. Pour toi annoncer les jeux logo aux OEA sérieux pour tous les mélomanes. La bonne année. Année Oyokaka. Déjà ce 10 décembre 2024, toujours ça la sortie album Nabiso Maillon Fort.
Donc maillon fort avec toujours la production de Lolo Moutima le cœur, c'est-à-dire Pactol Production France. Tout ça toujours avec un fil insécable dont tout ça toujours naïe. Alors c'est pourquoi tout ça à travers l'émission Nabiso Oyo. Bah ministre Nyonso, bah questérien Nyonso. Maillon fort. Bah questériste Nyonso, bah ministre Nyonso. Okay. En tout cas, soyez prêts, soyez vigilants parce que déjà dans la soirée du 10 décembre 2024, Bokozo album Nabino sur toutes les plateformes de téléchargement et avec un clip à l'appui au bon c'est pela na ngoko mona ngoko kondi. Bon mona indu sa ndenge pesa mina ne kuta megele wele. Donc blague écoutez. Donc voilà, c'est cela. Indusa. Donc Maillon Fort, c'est un album. Oui, c'est un combien album. Combien de titres? Maillon Fort a 7 titres. 7 titres. Il y a déjà Nyonso Tozo, bah, c'est Sili. Nyonso et Sili, ouais. Na minute, donc Tozo, pour finir, moi, ma stratégie, tant au Bima. Comme ça, on va comprendre que l'envoyé spirituel et artistique de King Kester a repris cela. Indus, on a dit que donc il y a mis que les ouélé. Oui, toujours. Donc le 10. Le 10 décembre 2024. Sortie mondiale. Il y a album Nabiso Maillon Fort. Toujours avec. Lolo Moutima, la Pactol Production, on a bien un fil insécable, donc jamais go katana. Ah ok, d'accord. Jamais go katana. Alors d'accord, Maillon Fort, j'ai mis tout la campagne, ce titre, le 7 décembre. Le 10 décembre. 10 décembre, disponible sur le terrain. Après, tout comme cela. Oui, programme Ikoya, parce que incessamment avec opportunité Oyo, Lolo Azopé Sabiso, il y a une production en vue grâce à Paris. Donc tu redis qu'on en a les Santa Spirit Mobimba, donc il nous repasse à même moins Indusa. Très bien. Tu vas comprendre. Voilà. Alors, merci Jimilito. Oui. Rendez-vous le 10 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre et Kokoma. Mais oui, Nabi Kokoma, nous allons rappeler ce matin. Je le dis parce que je suis prêt. Mais okay, à l'occasion, nous allons quand même remercier Bato Bakonkoui. Oui, vas-y. Fort, je t'en prie. En tout cas, le grand monsieur Didi Kinoani, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Il y a Dédé Moupassa Mwanama, Lolo Moutima Le Cœur, Pichun Dungini, Chic Fala, Pisco Bakongo, Eric Luzolo, Bino Nyoso, en tout cas la PC Bino Bambote, en tout cas Bozo Beserta. Merci beaucoup. Rendez-vous le 10 décembre pour la sortie mondiale de ce qui a bossé à Boga Kofi Romide. Alors là, on te reçoit parce que tu as besoin d'un prix. Ils ont un disque de platine, ils ont une légende, il y a la musique ugandaise, José Chameleon. Il y a ça qui est en Ouganda. Donc, et ça, c'est bien ma casse, je suis le premier DJ Azui, disque de platine. Disque de platine et puis remis par une légende. José Chameleon. José Chameleon. Artiste ougandais. Ougandais, oui. Ougandais, Ouganda, oui, il m'a invité, celui qui m'a invité, il avait une soirée à Black Legend. C'est quoi Bingisa Kinga et Nakena Yukuna. Mais t'as qui battu Miss Baidaye pour Aza Ningya. Ok, d'accord. Entre temps, il y a Oza DJ na. Na Black Gold. Ils ont Kinshasa côté. Ils ont Nakina na entre. Avant comme village Temba. Très bien. Alors, il faut fêter. Oui, bon, il y a un moment où il y a rendez-vous. Nazo Kende, normalement, il faut fêter avec la famille. Il y a Babouka, venu sur ma PCD, mon gouverneur Jean-Jacques pour Simbote, place Azali. Nazo Kende Kuna, le 6. Nous avons une boîte à Olivier Mérindi, à Emmanuel Nabukavu. Pour fêter, par rapport à merci Josmatique, encore une fois félicitations. Oui, merci pour ton disque de platine qui a été remis par José Chameleon. Et ça peut Batouvo Bazana Poto, mon président Dido. Ok, Algéra Mizombe, Gino Mabiala, sans oublier Nani Masananga Nani Aristote. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. On se retrouve à Bukavu le 6 décembre pour fêter le disque de platine chez Vamos. Je vous ai chez Vamos. C'est Mérine et Emmanuel. Merci beaucoup. Aussi, Nazo, ils ont soutenu avec moi depuis le début, un moment. Et puis, Nazo, offrir officiellement à mon patron, boss. Kofi Romide. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur William, qui est là?
comment tu vas? Artiste, poète, slameur, c'est combien de temps? Ça fait 6 ans qu'on est. Et tu évolues où? J'évolue probablement à l'espace de l'Est Africa. Je suis enseignant d'islam poétrie et basé à Goma. À Goma, oui, à Goma. On travaille dans les styles dansés, etc. Ah. Alors, l'impression que je t'ai toujours, il a tout à Goma. Je suis en train de suivre Patrick Mouyomo, il est de Goma, tu suis également. Alors, quel message tu nous amènes en ce moment? Ah oui, donc je suis là pour vous dire qu'on est tous congolais. J'aimerais parler de là où je viens. Je viens de là où l'espérance de vie n'est que de 24 heures renouvelables. Donc, si tu dors et que tu te réveilles demain matin, c'est qu'il faut dire gloire à Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne se réveillent pas. On ne tue pas, on est déjà mort psychologiquement. Non, je ne slame pas parce que, excusez-moi, je devrais vraiment parler avec rapidité, parce que je suis totalement étouffé personnellement quand je vois ce qui se passe à l'Est et que depuis un sacré temps les gens n'en parlent plus. C'est un spectacle qui va se passer ici le 6 décembre. C'est grâce au café des entrepreneurs. Et le 6 décembre. Ça sera à Anadec, la première rue limitée. C'est une initiative de Bessat, de santé, qui m'ont dit ben, voilà, qu'il y a un fugitif qui parle de cette personne qui se retrouve maintenant ennemi de son propre corps et qui devrait s'exprimer. D'accord. C'est qu'il ne s'éduque pas tout, nous devons les dire tout pour nous-mêmes, si les gens ne peuvent pas le faire. Il y a Makira, moi je suis le 6 et le 7 d'entrepreneur, dans cet espace d'entrepreneur, tu vas parler de toi, de ton histoire, à travers, bien sûr, l'art que tu maîtrises, la poésie, mais aussi l'islam. Donc rendez-vous tout à l'heure, mais avant cela, on va proposer au public qui sera dans le 6 et le 7 d'entrepreneur, de faire un extrait. Ce que l'artiste slammer William Makida, c'est des images que nous devons à ce moment, c'est le ministre Jean-Marc Makida. Activiste social, ça, alors, quel genre de musique tu fais exactement? Je fais la musique anglaise avec un segment où on a Zobingango Rumbian Funk. Rumbian Funk, ça veut dire quoi? C'est quoi exactement? Rumba within my funk. Rumba na katia funk nangai. Ah, bah dérivé kakaya rumba. Ou alors il faut bah dérivé à rumba na esprit. C'est la musique congolaise d'un esprit diaspora qui inclut nous autres, nous tous qui sont dehors. Pour moi qui est précisément à New York aux États-Unis, voyons le funk qui était sorti de l'Amérique et l'afro-cubain, et voyant les relations qui existent, comme ma vision souligne la contribution de la culture congolaise dans l'histoire du monde. Donc, il y a ce tour, on a beaucoup qu'on a vu sur Ekenda, on a beaucoup qu'on a vu sur Ezali, et Sangani et Sali au Rumbian Funk. Ça fait combien de temps, juste à la Rumbian Funk, on a New York, là où tu... Étant artiste na bandi bon moi na mais accent ya Elogo nanga, je pourrais dire depuis 2011. Depuis 2011 combien solo na commune on a New York pour na New York doit en a 5 zones. Donc na Mumbele, Ngaba, Lemba, Makala, Yolo, na Koliwana, na botama na limité, na vaye na matongé, mais ba bisiko na tangi, et ba bisiko na koli. Koli. Bongo, sikoyo, musique, bien qu'on vit depuis 2011, mais parcours na yo. Parcours à Moulaï, na bandia na Kinshasa, na Pessiba, na toi, en Tumpe, Vela Musica, ce qui est toujours un beauté. On a un an à Naba, mais Nazo qui est bétara na Mumbele, président Pacheli, au Babengara, J d'Orange, je ne sais pas, Bill Clinton. Nazara, jeune Drumer, là à ce temps, je faisais la batterie. Là à ce temps je faisais la batterie parce que la bande est en batteur malgré la quatre famille on a colis tradition musique traditionnelle Zaki Makasi, c'est comme ça. Naza aussi affilié na percussion. Donc na bande musique pour moi on a vu surtout tout bande non bah danseur américain bah jansa comme bah jansspiele. À ce temps je donne tous mes amis comme des Shadow Barazizo, Sandro, tous les amis. Mais Naza et puis na mukina na 87 Naza parmi les plus jeunes au bah nobi na danse
Wana. La diaspora. Et de là, de la danse, quand on a commencé le rap aussi, en 93-94, quand Fatima Seya, Babima qui, Bisotozaki, Bajeno, Tourumesco, Hollanda, Babilo Kouana, et j'ai décidé, Natigi Bama, Sangana qui est typique. Banana Kota typique, 94-94, Tilelo. Très bien. Alors, Zo Beta de Solo, Koumo Katalan, artiste émission qui évolue. Je vis à New York, mais deux ans, je suis pas sûr, Rumba, Rumen Funk. Rumen Funk. Deux ans, je suis là, on retrouve d'abord à New York, le vivre en Indien, le Moussous, il y a un Koumou Katala, comme ça, Koumou Yéba, Zara, c'est là, et puis on revient, pour appeler le Tabiso, il y a un Koumou Ambassico, regardez. Oui, ça Rumba, tu vois. En 2019, mon frère Fali m'a invité dans son Apollo. Ok. Au Naipele, na Toto Lagiango. La grâce à Nzambi. Et ça y est, soldat. On a dit, ma soeur, soldat. Et au moins, soldat à Kinshasa. Comment? Tu es dans mon gars, bon. Apollo avec Koumou Katalay, bien sûr. À Solo, il y a Koumou Katalay. On va aussi en parler, pas seulement à Kinshasa, mais aussi à Lumbashi, avec notre confrère FX Moutoké, qui fait l'émission percussion chaque. Samedi à la RTT Lumbashi à 17h, mais qui est en séjour à Kinshasa, eh bien, nous en croyons qu'il va profiter de son séjour pour également faire la promotion de la musique Rumen Fit de Koumou Katalay. Les remerciements de FX Moutoké à l'honorable Aimé Delar qui a permis qu'il puisse être ici à Kinshasa, bien installé, bien logé, etc. Monsieur l'honorable Aimé Delar, merci pour tout ce que vous avez fait pour FX Moutoké de la RTT Lumbashi. Koumou Katalay, en traitant, nous avons dit, déjà artiste musicien, orateur, multi-instrumental, curateur, culturel, activiste social, côté social. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je dirais, je suis arrivé à Kinshasa, ça fait 28 ans, j'ai quitté d'abord Mbote à Kinshasa, mais j'ai pas la capacité à vice-président, il y a Congo Youth Coalition. Congo Youth Coalition. C'est exactement. Exact, coalition bajène. Ils sont basés à New York. Là, il y a le président Bob Yang et nous sommes des cofondateurs. Et tout bien ici, bah, j'ai une belle partout. Ici, on a Chris Ndongala et maman Laetitia Kabbala qui fait part de l'équipe. On a fait un concert lobby. Dans le cadre, il y a visibilité et logo toujours ça, même étant artiste. Tout remercier le président Moïse Mundongo, président de jeunesse. Professeur à Kinshasa, bah on est basé là au stade Omnisport Gentil Ngobila, là où j'ai presté hier. Congo Youth, tout l'andra, où le président peut suggérer qui aligne à mon jeunesse congolaise. Congolaise et Mata, ils ont toujours une initiative, on a eu à regrouper, tout le monde a précarité à jeunes Congolais partout dans le monde. Donc, il y a un le 22 décembre au USA, official launching. Le 22 décembre au USA. À New York. Donc, c'est quoi la sortie officielle? La sortie officielle. Il y a Massoloma, coalition des jeunes Congolais. Yes. Donc, tout ça. Rodar Bompima, ils m'ont aidé, Olivier Kaloubi. Je remercie Olivier Ndomba si on s'est vu ces derniers temps. C'est aussi un bon frère et tous les autres. Merci vraiment, maman. Merci beaucoup. Merci également à Titina Al Capone qui félicite Koumou Katalay pour ses prestations à Apollo. Vraiment, il faut le faire. Merci également à Axel Ntoya, jeune millionnaire qui nous suit depuis Paris. Merci également à toi, Koumou Katalay, d'être avec nous. On se retrouve le 22 décembre à New York. Merci. Pour le lancement de cette coalition des jeunes congolais. Et maître Socrate Moubengi, merci aussi. Merci, maman. Nous sommes heureux, nous avons été très heureux de vous avoir très nombreux devant votre écran pour suivre l'émission Carré ou Variété, qui fait un clin d'œil spécial à vous tous qui nous suivez depuis ici, dans le Haut-Olé, où est en train de célébrer ce bel événement, un grand événement,
du 60 ans de la mort de la bienheureuse Honorité Ningapeta. La messe est pour demain, ce sera en direct sur la télévision nationale avec la présence très spéciale à Nolotoulé. Pour la première fois, un chef d'État congolais va assister à cette commémoration. L'ex-Antoine Tshisekedi sera à la messe, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, et la RTNC sera au rendez-vous. Toute l'équipe de RTNC qui se trouve actuellement au niveau de Isiro, Kimatondo, Barbosa, ils sont tous là, bien Koyibatima, ils seront demain en direct pour faire la retransmission de cette belle messe qui sera célébrée en hommage en mémoire de la bienheureuse Marie-Clémentine Ningapeta. Merci encore une fois à Roland Kachantali, merci à Jean-Claude Mabanzo Mbongo Potrembongo, merci à Coco Mouya. On se retrouve dimanche prochain, même heure.